Genesis Lab, hein, c'est ce que vous avez pendant les 3 mois. Genesis Lab, c'est quoi? L'objectif, c'est de produire ou de revisiter, de reprendre, de retravailler votre business plan sur 5 ans, d'accord? Et avec établir un modèle clair et une stratégie qui reprend l'ensemble l'ensemble du projet. Donc c'est vraiment, c'est travailler ce business plan, travailler sa stratégie, et c'est de sortir avec un plan d'action, de votre projet en termes de marketing, de vente, d'aller au marché, de développement produit qui puisse être acceptable et reçu. Les actions pour ça, c'est que sur 3 mois, en fait, vous avez 35 workshops et qui sont effectivement répartis sur 9 semaines. Donc, pour le premier mois, on revoit la proposition de valeur, on regarde la segmentation, on regarde un peu les premiers éléments d'éléments de marché, et on voit comment effectivement agir et se comporter dans une optique un peu lean et agile, et on pratique le pitch. Le pitch, on verra juste après, dans le module qui vient après, c'est comment vous allez influencer les personnes. Le deuxième mois, vous allez travailler plus sur votre équipe, et la notion de leadership. Moi, j'étais porteur de projet, hein, donc on est audité, on voit si vous avez capacité A ou pas, et ça, c'est important. On va voir sur le financement, sur le modèle d'affaires, et tout ce qui touche aux aspects juridiques. Le troisième mois, il y a en fait un séminaire de 3 jours pour finaliser le business plan et la roadmap qui seront présentés en fait lors du comité de sélection. Chaque mois, en fait, pendant ces 3 mois, il y a un shaker. Ce qu'on appelle le shaker, c'est que vous rentrez et il y a 10 personnes en face de vous qui vont vous secouer. C'est-à-dire qu'ils vont vous poser des questions sur tous les éléments en fait de votre projet, l'équipe, le produit, les finances, le marché. Enfin tout, on pose des questions et en fait le but c'est d'évaluer un que vous êtes sûr que le projet avance et deux que vous soyez capable en fait de répondre aux questions que vous allez avoir quand vous allez pitcher, que les gens veulent avoir plus d'informations sur votre entreprise, encore une fois, pour pouvoir y contribuer. Et puis, également, si vous avez besoin de labo pour développer ou pour aller un peu plus loin dans la recherche de votre produit, de votre prototype, etc., on peut vous mettre en relation avec différents labos du plateau de Saclay.